Eh bien bonjour tout le monde, c'est Lemmy Koopaï. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Paper Mario et du coup j'imagine qu'on va combattre un boss. Du coup nous allons marcher longtemps. Ah non ça va. Ok je crois savoir c'est quel boss. Ok c'est maintenant. C'est beaucoup plus tôt que ce que j'aurais cru honnêtement, ce moment-là du jeu. Ouais, c'était bien ça que je pensais de toute façon. Oh oh! Qui donc se permet de me déranger à l'heure de la sieste? Ce fantôme, c'est celui dont le doyen parlait? Le fantôme, je rêve! Et que voulez-vous me capturer? Malheureusement, je suis occupé à planifier ma prochaine farce. Allez, oust! Non, vous ne voulez vraiment pas partir bien sagement comme des grands? Bien, bien, je vois. Oui, c'est bien moi qui change de visage en cochon. Vous avouez, alors expliquez-nous pourquoi faites-vous ça? Ça? Eh bien, voyez-vous, ces villageois étaient des génards. J'ai trouvé que le cri des cochons, gruik gruik, leur irait à merveille. Je les ai fait cochons. Voilà, vous avez quelque chose à redire à ça? Oui, je suppose que puisque vous êtes venus ici, alors amusons-nous un peu. Bizarre, il n'y a rien sur lui. Il y a bien un truc qui lui ressemble, mais il n'y a pas de nom. Max 40, puissance 4. Il peut changer de forme ou changer celle des autres. Si ça se trouve, c'est lui qui a transformé les villageois. Si oui, quel horrible individu. Oh là, le pauvre. Oh oh oh, à mon tour de vous montrer ce que je sais faire. Bon bah moi elle a fait d'autres dégâts. Qu'est-ce que tu oses faire toi? Pas mal, pas mal, je révise mon jugement. Ah oui, c'est vrai, le sortilège qui frappe les habitants du village. Mais ça n'est là qu'un tout petit échantillon de ma magie. À vous, je vais en dévoiler un peu plus parce que vous me plaisez. Bla 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 bla. Que pensez-vous par exemple de ça? Vous vous êtes déjà battu contre vous-même, hein? Aïe. Crève. Wow. Oh oh oh. Mais un reptile. Oh non, je veux dire. Imbécile. Ah trop bien, nouveau niveau. Ouais. Et de la thune. Niveau plus.
Oh oui, on en a besoin. Mario n'a pas la même gueule. Il n'a pas le même visage, Mario. Regardez, les yeux de Mario, c'est pas les mêmes. Vous avez trouvé une jeune étoile. C'est pas Mario. C'est pas lui. Terminé! En traversant le fantôme de l'église, Mario a trouvé la quatrième gemme. La malédiction est rompue, les villageois auront-ils retrouvé leur apparence normale? Tout rentre dans l'ordre et la quête de cette gemme étoile n'est plus si illusoire. Mario quitte prestement l'église occulte, le cœur un peu plus léger. C'était pas Mario. Qu'est-ce que c'est que ce type? On lui a rien fait du tout. Bon, on a la gemme étoile, c'est le plus important, on retourne au village. Même la voix, elle est chelou. Oui. D'accord, donc je suis ce truc. Et je n'ai plus d'amis. Vous ne pouvez pas utiliser les indices partenaires lorsqu'il n'y a plus personne. Merci, connard. Bon, bah, je vais prendre ma douche. Ah. Putain, il m'a niqué ma vie. Hey. Quand même. Alors, j'ai plus mon Yoshi. Oh putain, le con. Au moins, j'ai toujours le pouvoir des gemmes étoiles. Tricheur. Aïe. Allez, meurs. Parfait. Allez, on se taille. Faut que nous aussi on aille au village du coup. Ah. Yark, yark, yark. Cette fois ni Mario ni la carte ne nous échapperont. Avec mon outil bombe, on ne fera qu'une bouchée de Mario et ses amis. Ah bah, ils sont vraiment tous redevenus normales, du coup. Yeah. Viviane, passe-moi la bombe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, Viviane? C'est quoi ce quoi? Mais c'est que c'est toi qui avais la bombe, Marjolaine. J'ai dit que tu ne voulais pas me la confier parce qu'elle était trop importante. C'est toujours pareil, je sens que je vais m'énerver, tu sais. Si ce n'est pas moi qui ai la bombe, ça ne peut être que toi, compris? Et puis qu'est-ce que tu veux dire? Tu prétends que je l'ai perdue? Mais non! Interdiction de poursuivre cette conversation tant que nous n'avons pas la bombe. De toute façon, si tu l'as fait tomber, elle ne doit pas être bien loin. On ne partira pas d'ici avant de l'avoir trouvée. Et si tu ne la retrouves pas, tu vois ce que je veux dire. Je vais. Puisque tu sais ce qui t'attend, dépêche-toi de la chercher. Allez, Marilyn, laissons cette petite merde en et rentrons. Yeah. Oh, la pauvre. J'ai mal au cœur. En tout cas, c'est cool, c'est dans cette vidéo-là où on devrait être son copain, je suppose. J'espère. Je sais pas, je trouve ça marrant, le petit bruit là que ça fait. Ah, mon pied!
sécher. Ouais, maintenant on va pouvoir utiliser ça. Parce que sincèrement, peu importe l'attaque au marteau que j'aurais fait, ils auraient survécu. Donc bon, là au moins tout le monde est mort et c'est parfait. 12 XP. Putain, on va tellement acheter d'objets là, je crois. Sincèrement, je vais me prendre tellement d'objets de soins parce que on va en avoir besoin. Par contre, il est trop classe la version. Crève. Fais chier. Ouais, ça le tue pas. Bah, il peut se barrer maintenant. Fait chier. Bah, je désire endormir les spectateurs. Ça va, alors. Ah, il y a même Luigi. Hey! Allez hop. Putain, il me faut vraiment des soins, moi. Mais il m'en faut vraiment beaucoup. Bon bah c'est bon, j'en ai eu. Trop bien. Non, il est pas doré. Mais ils veulent pas nous mettre le doré, hein. C'est horrible. J'espère qu'aucun va se barrer là. Fait chier. Et merde. Oui bah allez, au point où j'en suis, hein. Un peu du foutage de gueule, ça, quand même. Bon, bah, au moins, ça m'en a donné plus de PF, c'est pas plus mal. Donc, allez, viens là, toi. Fais chier, je voulais qu'il y en ait un doré. Surtout que les dorés, à eux seuls, ils peuvent donner au moins 30 XP. Est surpuissant du coup. En même temps, c'est ceux qui peuvent partir le plus vite possible, donc faut vraiment avoir des alliés et les attaquer directement avec les trucs les plus puissants qu'on a, quoi. C'est pour dire à quel point ça va aller. Bon allez, en attendant, hop. Alors on voit, ça va nous permettre d'être un peu rapide.
très rapide, effectivement. Ciao, je t'attendais. Oh. Tu t'appelles Mario, hein, pas mal comme nom. Et ta silhouette me plaît aussi. Tu sais sauter très haut. En plus de ça, on a l'air de t'apprécier. Tu me plais bien. J'ai décidé de vivre dans la peau de Mario désormais. Ça y est, tu as compris, je te voulais ton nom et ta silhouette. J'ai le pouvoir de vivre dans mon corps ou dans celui des autres. Pour ça, il ne me suffit pas de m'approprier un nom et un corps. Je dois aussi éliminer leur précédent détenteur. C'est pourquoi je suis venu t'attendre ici. Je pourrais me débarrasser de toi en une seconde, mais je vais te laisser une chance. Si jamais tu devines comment je m'appelle, je te rendrai ton nom et ton corps. Alors, rigolo comme idée, non? Réfléchis bien et essaye de deviner comment je m'appelle. Bah, le truc, c'est que je sais comment ils s'appellent, mais forcément, voilà, ils ont enlevé le P minuscule. Il s'appelle Rumpel dans mes souvenirs. Mais vu qu'il n'y a pas le P minuscule, bah on peut pas. Rumpel. Mais ça va pas compter parce que bah on n'a pas le P minuscule. Voilà. Rumpel. Pouah, non pareil, tu plaisantes, ton échec sera ta perte. Oh, n'essaye pas de fuir pendant la bataille. Bon, si on a un game over, c'est normal, j'imagine. Y'a pas Goumeni. Tu n'es pas en train de changer à t'enfuir, hein, j'espère que tu as des conseils. Ah, je peux. Ouais, donc on peut. Mais, ils se renfuient. Depuis que Mario nous a débarrassé du fantôme, la malédiction est levée. Casquette rouge, cette super moustache, quel homme ce Mario. Tu devrais adopter son look, tu sais, il a du succès par ici. Ouais, je comprends, madame. Bah, le truc, bien sûr, fais à ma femme, sois franc à moi. Non, j'étais ici, tais-toi. Oui, ici, à vous, je ne te permets pas. C'est marrant, il s'embrouille. Bon, alors. Oh, c'est vraiment les trois petites cochonnes, du coup, j'avais raison quand je l'avais dit à Yunanville. On est Toadlette, on est fan de voyage, et on roule notre poste de ci et de là. Je crois qu'on s'est transformé en cochon il n'y a pas longtemps. Mais en cochon, on est peut-être encore plus mignonne. Non, j'avais pas de téléphone, désolé. Bah, c'est con, hein, ça arrive. Sniff, comment je vais faire? Important, si je ne trouve pas Marjolaine, même pas un sacré savon. Elle doit être dans les environs, mais je la vois vraiment pas. Oh. Ah, intéressant ça. Sniff, c'est très important. Si je ne la trouve pas, Marjolaine va me passer sa caisse à eau. Elle est dans les offrandes, mais je la vois vraiment pas. Quoi? Tu l'as trouvée pour moi? Mais merci beaucoup. Tant mieux, je l'aurais échappé belle. Oh, mais elle est cassée! Elle a dû se cacher quand Marjolaine l'a fait tomber. Comment je vais faire? En tout cas, je ne vais pas échapper à mon savon. Merci beaucoup, ça va un tout petit peu mieux. Mais comment je vais faire? Mes soeurs vont revenir. Ah, la despoule. Mais en fait, je ne sais pas ton nom, comment t'appelles-tu? Pardon? Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu. On t'a volé ton nom? Je vois, oui, ça arrive souvent. Quoi? On t'a volé ton nom? Mais raconte comment c'est arrivé. Blablabla. Bla, 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 bla. Oh! Blablabla. Bla, bla, bla. Dis donc, elle est bien pire que la mienne, ton histoire.
Mais c'est toi qui viens m'aider et qui est gentil avec moi, tu es quelqu'un, toi. C'est décidé. Je vais t'aider à retrouver ton corps et tes amis. Non, vraiment, ne t'inquiète pas pour moi. De toute façon, avec mes sœurs, rien ne va jamais bien, on ne s'entend pas. Il m'a fallu du temps pour réaliser que j'étais leur frère, leur sœur et non leur frère. Yes! Putain, merci Nintendo France. Je vous aime, vous ne l'avez pas enlevé. Oh, je suis content là. Je me serais quand même fait chier à faire un montage dans cette vidéo juste pour mettre le drapeau transgenre. Hein. Ce qui est cool, mais un montage juste pour ça, waouh. Oh, franchement, fallait vraiment que j'y tienne. Hein. Oui. Alors maintenant, l'oreillerie me blesse encore plus qu'avant. Et puis tu étais si gentil, j'aimerais te rendre l'appareil. Oh. Allez, pas de chichi, hihi. Viviane, rejoins le groupe! Mais que pouvez-vous faire avec elle? Aptitude de Viviane. Appuie sur X pour vous cacher dans l'ombre. Et devenir invisible. Et après, PAM! Puis sur X pour retrouver votre forme normale et échapper à la surveillance de l'ennemi grâce à cette aptitude. Voilà. En combat, elle peut boxer ses ennemis avec coups cachés et les enflammer à distance. Ou se cacher dans son ombre avec Mario grâce à Planque-toi pour esquiver les attaques. Il faut d'abord que nous retrouvions le vrai nom de ce fantôme, n'est-ce pas? Nous devons donc enquêter sur lui. Le sais-tu? Mine de rien, les oiseaux sont très savants. Ils se déplacent beaucoup et collectent un grand nombre d'informations. En utilisant mes pouvoirs, nous pourrons nous dissimuler dans l'ombre et espionner leurs discussions. Tendons l'oreille à toutes les conversations du village et nous aurons des indices. N'hésite pas à te servir de mes pouvoirs. Ouais, bah on le fera la prochaine fois, ne t'inquiète pas, Viviane. Putain, je suis content. Ah, Nintendo, vous me faites plaisir, là. Bonjour, cet établissement est dédié à la descente du corps et de l'esprit. Nous proposons... Oh, 10 pièces seulement. Eh bah, nique ta mère, j'utilise un bon repos. Chè. Je suis un rat. Ah là là. Oh, une pêche. Avez-vous bien dormi? Soyez prudent, à bientôt. C'est de la merde. Nous devons trouver le nom de ce monstre, peut-être en écoutant discrètement les corbeaux. Oui. Eh ben c'est bien, on a l'objectif de la prochaine vidéo. Et oui, parce qu'on va s'arrêter maintenant. Du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner. Et puis, voilà. On fera... Oula, non, pas maintenant. Et puis du coup, nous jouerons complètement avec Viviane la prochaine fois. Donc, c'est trop cool. Allez, au revoir tout le monde.